Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait cette vidéo de façon à fêter avec vous plusieurs choses qui me semblent importantes et joyeuses. Alors la première chose, c'est qu'au cours de ces derniers mois, j'ai fêté mes 50 ans. Et oui, ce cap est passé et j'en suis très heureuse, ainsi que de le partager avec vous. J'ai aussi passé la barre des plus de 25 ans d'enseignement du Pilates. Alors à l'époque où je l'avais énoncé, on m'avait dit « fais une fête ». Bon, alors je suis plus douée pour ce genre de fête, comme vous pouvez le voir en vidéo. Et donc je le fête ainsi avec vous, et donc j'ai atteint 26 ans d'enseignement ce mois de juillet. Et en réalité plus, parce que ma première élève, qui avait 93 ans, à l'époque, dans la grande pyramide de la grande mode, ça devait être en 95, quelque chose comme ça, n'est plus là pour témoigner. Alors, je me réfère juste à ma première année où officiellement il y a des témoins et une vidéo que j'ai publiée sur mes réseaux, sur YouTube, et donc ça fait 26 ans ce mois-ci. J'ai toujours avancé, guidée par la passion, l'amour de mon métier, des gens, de la connaissance, je me forme, c'est vrai, en permanence, et l'élan de vie. En 96, à la Grande Motte, lorsque je donnais des stages à des groupes de personnes pendant tout l'été, j'ai été très surprise de voir une personne à la fin d'un de mes cours s'approcher de moi et me dire, en me serrant la main, « Merci, cher collègue ». Cette personne me dit qu'il était kinésithérapeute. À l'époque, j'étais très jeune, j'étais très honorée et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Suite à cela, j'ai continué de me perfectionner et j'ai démarré un jour en 2007 Free Corpus. À ce moment-là, j'étais à Vincennes et des ostéopathes, des kinés et des professionnels du mouvement sont venus me voir pour se former ou me demander des formations ou simplement prendre des cours. Aujourd'hui, je suis très heureuse, en 2022, de collaborer par le biais notamment de ma deuxième activité, ma clinique OPS à Paris, orthopédie, posture, sport, de collaborer avec des kinésithérapeutes, des podologues et aussi d'autres orthokinésistes comme moi. Par cette vidéo, je tiens à remercier mes élèves, dont certaines et certains sont là depuis 2008 dans mes cours à Vincennes. Car vous êtes ma plus grande source d'inspiration et mes challenges. Alors, celles et ceux qui savent se reconnaîtront quand je dis challenge. Et vous me motivez à vous trouver des solutions et à vous faire avancer dans le chemin de votre confort, de votre santé et de votre bien-être corporel. Je remercie aussi toutes les personnes que j'ai croisées et qui m'ont tant inspirée. Je citerai parmi eux et elles Dominique Dupuis, David Steele, Sylvie Deluz, Thierry Raymond, Viola Farber, Marie-France Delieuvin et bien sûr, j'en oublie. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'en réalité, le Pilates que j'enseigne aujourd'hui n'est qu'une partie de mon enseignement en mutation et en évolution constante. Tout comme le Pilates évolue et mute constamment grâce au croisement des compétences de chacun et chacune et aux nouvelles connaissances de la biomécanique. Alors voici ce cadeau en vidéo pour vous, pour tout le monde et aussi pour les professionnels qui sont dans le même domaine que moi, car je sais que vous êtes toujours en quête de nouvelles idées. Dans tous les cas, cela ne constitue un cours, mais juste une source d'inspiration, un clin d'œil. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.